Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez particulière et qui prend un peu le contre-pied de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est une vidéo qui est intéressante à tourner et à vous partager puisqu'on va parler des pires produits de chez Makeup Revolution. Vous le savez, ou peut-être pas si vous êtes nouveau sur la chaîne, d'ailleurs bienvenue, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en mettant la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les notifs. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis une fan de la marque Makeup Revolution, qui maintenant s'appelle Revolution Beauty. J'adore en fait ce qu'ils proposent, j'ai fait pléthore de vidéos à leur sujet et je suis complètement addict à la marque. Mais il y a des choses qui valent le coup chez eux, mais il y a aussi des trucs absolument nuls, clairement, voilà, soyons tout à fait transparents et honnêtes, ou alors des choses que je ne comprends pas du tout, ou des trucs qui ne me vont pas, enfin bref, il y a quand même des sacrés gros flops aussi dans cette marque, et j'en parle pas spécialement souvent, ou alors quand j'en parle, ça rend le truc complètement has-been ou qui va pas du tout, et je me suis dit que ce serait bien de tout réunir dans une et même vidéo. Quand je vois le nombre de produits, je suis pas sûre qu'en une vidéo ça va être possible, donc soit elle sera très longue, soit peut-être que j'en ferai une deuxième partie à votre demande si ça vous intéresse, mais accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup de références. Je fais aussi cette vidéo parce que j'ai discuté avec une de mes amies et en fait elle m'a fait une réflexion que j'avais déjà, mais elle m'a abouti cette réflexion qui est très intéressante. Petit moment perso branding et voilà, remise en question. Elle m'a dit oui mais tu sais, j'adore te suivre parce que t'es une copine et que quand je regarde ta vidéo je pourrais t'écouter pendant des heures et parce que je te fais confiance etc, et en plus voilà, c'est une excellente amie. Et elle me dit, mais les gens en fait en ont marre de voir des influenceurs ou des gens sur les réseaux qui leur disent oui alors ça c'est génial, tout est génial, tout est un monde de paillettes et de roses, et ils ont marre parce que ils ont besoin de véracité et bah, de voir que de temps en temps il y a des choses qui te plaisent moins que d'autres, parce que sinon ils ont l'impression que, bah, elle l'a pas dit comme ça mais je l'ai entendu comme ça, mais c'était pas, voilà, ils ont l'impression qu'on a une banderole publicitaire. Elle a raison, parce que ce dont je vous parle, ben, c'est des produits que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je m'étais fait la réflexion, à force de vous dire tout le temps tout est génial, tout est génial, tout est beau, tout machin, ben, en fait on n'a plus de crédibilité parce qu'il y a aussi des choses que je trouve vraiment pas bien, et donc ça m'amène à une réflexion de vous proposer un petit peu le genre de vidéo que je faisais sur TikTok. Dans mes vidéos TikTok et sur Instagram, eh bien en fait j'ai ce côté, en fait j'aime pas ce produit, j'ai on va dire la parole facile quand j'aime pas quelque chose, et c'est quelque chose que je veux amener plus sur YouTube, non pas pour critiquer mais parce que ça me paraît important en fait que vous ayez les deux avis. Oui, c'est bien de dire quand il y a un produit qui est top, c'est aussi bien de dire quand il y a un produit qui vous va pas, parce que ben, vous avez peut-être économisé des sous en évitant d'acheter ce produit qui vous conviendrait pas. Bref, intro de Milan, mais ça me paraissait très important de la faire. Donc on va parler des pires produits Makeup Revolution, de Revolution Beauty. Alors ce sont des produits soit très vieux, soit très nouveaux, enfin vraiment il y a un petit peu de tout. Et il y a des produits vraiment, c'est flop total, il y en a un que je retrouve pas, je me demande si je l'ai même pas jeté, mais je vais commencer par lui parce que je vais l'oublier sinon. Et il y a des produits où je comprends pas, ou alors je suis déçue. Voilà, donc il y a plein de choses et on va commencer tout de suite parce que sinon on va jamais y arriver. Le produit que je ne retrouve pas, je vous en ai parlé donc sur feu mes TikTok et sur Instagram aussi, c'est les petites ombres à paupières liquides XX Revolution. Je vous mettrai l'image ici parce que c'est le seul que j'ai pas en main, et c'est un produit que j'ai acheté il y a longtemps quand XX Revolution est sorti, donc la gamme associée avec la Revolution qui a des tonnes et des tonnes de sous-marques, et j'adorais le concept. En plus je trouvais que le fait que ce soit petit c'était bien. Et j'ai été mais déçue, mais à 1000%. Donc ça, c'est vraiment un produit que vous avez vu souvent si vous me suivez sur les autres réseaux. D'ailleurs, honnêtement, suivez-moi sur Insta parce que du coup, si vous ne me suivez pas, vous loupez plein de trucs et plein d'avis produits. Aujourd'hui, je fais un crash test hyper intéressant sur des fonds de teint. Je vous reparlerai peut-être ici, mais voilà. C'est hyper cool, les autres réseaux, je partage plein d'autres trucs différents. Bref, donc ce petit produit-là, je n'aime vraiment pas. C'est-à-dire que l'idée est géniale, je crois qu'il y a plusieurs couleurs et tout. Il n'y a aucune opacité sur le produit, c'est-à-dire qu'en fait,
Enfin, vraiment, je comprends pas. Soit vous appliquez en une fois et il n'y a aucune opacité et donc c'est moche, hein, clairement. Soit vous êtes obligé de mettre 15 000 couches d'ombre à paupières liquide et du coup c'est hyper épais, ça fait mal à l'œil. Enfin, vraiment, je ne comprends pas ce produit. Donc non, clairement, ça, je ne vous valide pas du tout et je vous conseille pas de le tester parce que c'était vraiment une énorme déception pour ma part. J'avais déjà en doute sur cette palette que j'ai achetée très récemment, donc ça c'est vraiment une nouveauté. Je vous avais fait part de mon doute, hein, quand j'ai acheté cette palette, et je confirme, je l'ai testée deux fois et c'est bon, j'ai pas eu besoin de la tester plus. Cette palette est nulle, clairement. Alors encore une fois, ce n'est que mon avis, et je suis sûre qu'il y a des grandes fans de cette palette-là, donc ne m'en voulez pas. C'est juste, moi je vous donne mon avis sur mon ressenti produit après utilisation, et forcément il y a des choses voilà, qui ne me plaisent pas. Mais ce n'est que mon avis, j'insiste, et j'ai pas du tout la science infuse, et je me permettrai pas de dire que ce produit n'est... Faut pas que vous l'achetiez parce que sûrement vous allez l'adorer. Mais du coup c'est intéressant parce qu'il y a certaines références qui me plaisent pas, mais vous, si vous cherchez ce type de référence, bah ça va vous plaire. Déjà, je trouve que le pigment est hyper faiblard, honnêtement, pour une palette Make Up Revolution. D'ailleurs, j'ai hésité à mettre plein d'anciennes palettes Make Up Revolution, mais je me suis dit que je les avais tellement mis en avant avant que c'était un peu à contresens de ce que j'avais dit, mais en fait ça correspond, c'est-à-dire que Make Up Revolution a fait tellement d'efforts et de nouveautés et de belles textures et tout que eh bien les anciennes, des fois, même si elles étaient bien à une époque, donc ça n'enlève en rien pardon, leur qualité à l'époque, eh bien maintenant elles sont complètement has-been. Et du coup je pense que Make Up Revolution devrait faire un petit ménage, notamment sur leur palette, parce que bah, ils ont tellement en fait maintenant des belles textures et tout, que c'est quand même dommage de laisser des choses, on va dire, qui ne sont plus au goût du jour en termes de texture et de rendu. Bref, et on n'a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans, c'est juste pas pigmenté. Et par contre, vraiment très belles. Les deux couleurs là sont jolies, mais alors il faut laisser appliquer pendant longtemps et je trouve ça dommage. Vraiment, j'ai été habituée à 1000 fois mieux Make Up Revolution. Donc là, clairement, non, cette palette-là, je ne l'aime pas du tout. Dans les choses relativement récentes, il y a aussi donc cet eyeliner dont l'idée est quand même très bien. C'est le Magnetix. Alors moi, j'ai la teinte Voltage, donc ça faisait partie de mon énorme commande XX Revolution d'il y a un an à peu près. Et alors là, j'aime vraiment pas et je m'en servirai pas. C'est dommage parce que la couleur est jolie, le côté un peu pétrole, multi-reflet, un peu vert, violet, vous savez pas trop. Enfin voilà, c'est très joli. Mais alors par contre, l'embout, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que je pensais pas en fait que c'était un embout comme ça. Je trouve que la couleur est vraiment moche, honnêtement. Enfin, pourtant elle est belle comme ça, hein. Mais enfin, je veux dire, c'est pas beau, ça fait... Ça fait placard, j'aime vraiment pas. Oui, alors ça c'est l'expression de la journée, hein. Ça fait placard, je sais pas. Et puis alors c'est pas du tout souple. Enfin, j'avais essayé une fois de le mettre et j'avais appuyé comme ça et pouf, le truc il avait sauté. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc non, oui, mais non. Alors je sais qu'il y a une bille dedans, mais c'est pareil, je n'arrive pas. Alors la texture, la couleur et... Ben, l'applicateur, voilà, non, non, ça j'en veux pas de ça. Alors, un produit où je suis un peu mitigée sur le truc, donc là c'est moins tranché que les autres, c'est les fameux Eye Glisten. Je les ai adorés pendant longtemps, vraiment je les ai aimés, je sais plus pourquoi. Si, parce qu'en fait j'avais adoré celui-là, c'est-à-dire que j'avais vu un tuto sur une américaine ou une anglaise, je sais plus, qui avait fait un magnifique tutoriel avec un côté un peu romantique Saint-Valentin. C'était super joli, vraiment c'était très canon. Je ne peux pas dire que ce produit est nul, puisque voilà, comme je sais, je suis un peu plus mitigée, mais je trouve que par exemple l'effet un peu satiné comme ça, alors il est joli, mais j'aurais préféré que ce soit encore une fois plus pigmenté, parce qu'il y en a quand même pas mal de teint. J'avais tout pris à ce moment là un petit peu folle la nana. C'est très beau, mais je trouve que les matières sont... enfin, c'est pas assez, c'est à dire que c'est beau, l'idée est excellente et vraiment le produit peut être génialissime, mais je suis déçue maintenant de l'utilisation, parce que j'ai voulu m'en servir de celui-là d'ailleurs, du rouge, et j'ai utilisé en fait le côté
métallisé, pas les paillettes là, parce que vous avez un côté plutôt métallisé ou mat et un côté à paillettes ou plutôt nacré, parce que du coup sur lui là il est nacré. Et j'ai, enfin, j'aime pas, mais j'adore les visuels et tout, et c'est beau, enfin il est beau le produit, mais non, c'est pas possible. Ça c'est pareil, c'est en pleine hésitation, mais je pense qu'à mon avis ils vont bientôt sortir de mon rangement. D'ailleurs, énorme nouvelle, depuis des années, maintenant, ça fait, parce que j'ai commencé en 2016 et je crois que vous me le demandez depuis 2016. Depuis 2016, vous me demandez à corps et à cri, quand est-ce que tu nous fais ton rangement pick-up? Et bien mon amie dont je parle en début de vidéo, qui est une maniaque du rangement, voilà, et bien elle vient m'aider pour tout remettre en ordre. On vous fera un avant après et je vous ferai la vidéo. Promis, promis, et elle vient cette semaine-là. Vous allez voir la vidéo au début de semaine. Elle vient cette semaine normalement. On croise les doigts, on y croit. 2021, c'est l'année du rangement make-up. Donc je vous invite à mettre vraiment la petite cloche, hein, la grise, hein, avec toutes les notifs. Comme ça, vous le préparez le rangement make-up. Parce que depuis le temps que vous me le demandez, là c'est juste pas possible. Faut pas passer à côté de ça. Je pense que ça va être une des vidéos les plus stressantes que je vais avoir à filmer. Parce que le avant, my god, et vous allez halluciner du bazar. Bref. Je pense que ça va être très drôle. Alors, les vernis Make-up Révolution. Donc, j'aime bien. Là, c'est pareil, je suis complètement mitigée sur le truc. Là, j'ai la teinte Silk. J'adore les couleurs qu'ils proposent. Je trouve ça trop cool qu'ils aient fait des vernis. Je trouve ça vraiment chouette. Et il y a des couleurs hyper pop, très belles. Mais alors, par contre, ils tiennent pas du tout. Enfin, vraiment, sur moi, c'est un truc de dingue. Ça ne tient pas du tout. Et je déteste le pinceau applicateur que je trouve mille fois, mais vraiment, il est énorme. C'est-à-dire que il est, quand vous, il fait, je sais pas, la taille de mon petit doigt, de mon ongle petit doigt. Donc si vous avez des très très gros ongles, je pense que c'est nickel. Si vous avez des ongles tout fins, n'achetez pas ça, c'est une perte d'argent, clairement. Ou peut-être pour les ongles de pied, bah non, parce qu'on a des petits doigts de pied. Donc non, ça va pas du tout ça. Par contre, c'est dommage parce que vraiment... les couleurs sont top, mais ça tient pas en plus, donc bon, non, on oublie. Ça, je vous en avais parlé il y a longtemps, de ce produit-là. La New Neutral Translucent Pressed Powder Matte Satin Finish. Bon, alors, c'est bon, le nom qui fait 15 km, là. Alors, je vous adore, Make-up Révolution. Mais quand vous me faites des produits comme ça, moi, je saute au plafond, je me dis, waouh, ouais, c'est génial et tout. Alors, déjà, trop beau, packaging, j'adore, ça, c'est hyper stylé, j'aimais beaucoup cette collection. Mais... quand vous me faites des produits comme ça, je me dis, waouh, c'est génial, trop bien. Une poudre pressée, un peu style Make-up Forever, avec cet effet flouteur et tout, c'est génial. Ça va faire un super dupe de la HD pressée. Bref, j'adore, j'adore. Et quand je l'applique, eh bien, je ressemble à Fantomas. Et quand je vous dis je ressemble à Fantomas, mon mari m'a vu appliquer ce truc, il m'a dit, oh! Genre, il fait, non, mais en fait, là, c'est pas possible, là, tes couleurs du mur. Donc non, c'est pareil, ça c'est pas possible. Et le pire, c'est que moi, quand je l'ai appliqué, je l'ai mis au pinceau poudre. Mais le pire, c'est que les petits coquins là, regardez ce qu'ils nous ont mis dedans. Non mais ils rêvent en fait. Ils nous ont mis une houppette dedans. Alors par contre, je vais la garder, parce que du coup, je vais m'en servir pour d'autres choses. J'ai même pas vu qu'elle était là. Mais... quelle idée, ou alors à moins que ce soit pour Halloween, je sais pas, je n'ai pas compris. Et alors en plus d'être blanche, vraiment, parce que moi qui vous dis qu'un truc est trop blanc, c'est vraiment trop blanc quoi, c'est-à-dire que je suis quand même très très claire, donc si je vous dis que c'est trop blanc, faut pas prendre. Et alors en plus d'être trop blanche, elle est, mais over desséchante, j'ai jamais vu ça, c'est hyper impressionnant. Ma peau était trop moche après utilisation, donc non, on oublie complètement aussi. C'est trop bizarre de dire que ça c'est nul, mais en fait, ouais, il y a des trucs qui sont pas top chez Make-up Révolution. Je peux vous dire qu'à force d'en avoir testé, y en a plein qui sont pas top. Alors, on va faire un petit, une petite transition logique dans le même genre de produits qui me donnent hyper envie, où je me dis, waouh, ouais, génial, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Le Powder Foundation de Révolution Pro. C'est pareil, ça. Mais en fait, vous nous avez pris pour des...
je sais pas. Donc pareil, petite houppette que du coup je viens de voir, donc pareil, hop, je la mets ailleurs. Alors pareil, produit extraordinaire, je me dis ah génial, trop bien, on va être sur un petit dupe du MAC, ça va être limite, je vais pouvoir l'utiliser à l'eau, je vais pouvoir faire un rendu super couvrant, enfin bref, j'attends énormément de ce produit. Alors, peut-être que c'est moi qui n'ai pas la bonne couleur, mais chez eux, je suis dans les couleurs les plus claires quand même. Là j'ai le F1, c'est le Powder Foundation. C'est pas possible en fait, c'est rose, mais genre c'est vraiment, vous savez, du très clair rose. Alors c'est crayeux, mais là j'en ai pris sur la main, mais non, c'est pas possible, enfin, vous pouvez pas mettre ça sur votre visage. Non, on oublie, ça vous n'achetez pas, c'est vraiment pas top. Et alors elle est épaisse la matière, enfin non, non. Alors dans les rouges à lèvres, il y a une collection qui s'appelle Révolution Classique, je sais même pas en fait si elle existe toujours, je sais pas. C'est les matte lipsticks. Alors là, moi j'ai la teinte violette et excess qui sont très jolies. Enfin, je veux dire, c'est des belles couleurs. Donc, moi j'aime beaucoup ce genre de teinte. Alors, vous le savez, je suis une grande fan de liquid matte. Makeup Revolution d'ailleurs, c'est vraiment pas les meilleurs en liquid matte. Hormis une gamme XX satin qui est très bien. Sinon, le reste, non, c'est pas top. Et je trouvais la couleur, enfin celle-ci, très jolie, la violette là. Et alors. Mais l'application, en fait, vous avez l'impression d'appliquer, vous savez, des rouges à lèvres de petits, vous savez, de basse qualité, hyper crayeux. Alors le rendu sur les lèvres que je trouve mais absolument laid, faut dire les choses comme elles sont, c'est laid en fait. Et c'est pas une question de couleur, c'est vraiment une question de rendu et de texture. Alors éventuellement celui-ci, ça passe parce que la couleur est super jolie, super punchy et tout, mais le fini sur les lèvres et comment il vieillit sur les lèvres, non, c'est pas possible. Alors dites-moi si vous avez déjà testé, de toute façon dites-moi si vous avez déjà testé les produits que je nomme dans cette vidéo et que vous les aimez, parce que c'est quand même intéressant de se pencher dessus et de savoir pourquoi est-ce que vous les aimez par rapport au fait que moi je les aime pas. Mais ça, non, vraiment, c'est pas des bons rouges à lèvres en bâton, je trouve. Alors, sinon, il y a un gel eyeliner. Moi, j'adore les gels eyeliner. Je les utilise beaucoup. Alors, je suis en train de chercher avec des petits pinceaux comme ça, artistes de pinceaux classiques. Là, du coup, c'est un Marie-S. Je ne sais même pas. Voilà. J'adore, en fait, les appliquer comme ça. Je trouve le produit super. Je l'ai utilisé pendant longtemps. Et, enfin, longtemps. Allez, on va dire 2-3 mois, je pense. 3, peut-être 4, un peu plus. J'adore le packaging, je trouve très bien. Enfin, vraiment, je n'ai rien à redire, mais il sèche beaucoup trop vite. C'est-à-dire que je fais quand même super attention. Je les referme vraiment bien. Et ils sont enfermés dans un tiroir à l'abri de la lumière. Enfin, je veux dire, j'en prends quand même vraiment soin. Et il sèche trop vite. Et je trouve qu'il vieillit très très mal. Mais vraiment. Donc, j'ai envie de dire, si vous êtes une grande fan de liner et vous utilisez très souvent, tous les jours limite, et que vous n'en avez pas, oui, vous pouvez prendre ça par exemple, parce que c'est une texture gel et qu'elle est quand même pas mal, il faut quand même avouer, et que c'est quand même assez pigmenté. Mais si vous en avez plein comme moi et que de temps en temps vous utilisez l'un ou l'autre, vous allez être super déçu parce que ben, vous n'allez pas pouvoir vous en servir, ou en tout cas pas très longtemps. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un produit où je suis mitigée, mais où c'est quand même pas top parce que j'aurais bien aimé que ça tienne un peu plus la route. Un peu dans le même genre où là franchement je suis hyper dégoûtée, alors ça me le fait avec une couleur, les autres aussi, hein. C'est les pigment pommades. Alors si vous avez ces produits là, s'il vous plaît dites-moi comment vous en servez, parce que là honnêtement je bute complètement, je ne comprends pas. L'idée est géniale, c'est donc des pigments comme ça en peau, un peu comme les Paint Pot de MAC, que les Paint Pot de MAC, ça a été très dur, j'ai recommencé 4 fois la phrase, et bien il sèche pas, enfin je veux dire, une fois que c'est fermé, c'est pareil, de ce côté hermétique, le produit se conserve bien. Là, c'est sécheresse, genre c'est le Sahel, quoi. Genre ça, c'est le désert du Sahara, quoi. C'est pas possible. Enfin, ça n'accroche pas. C'est-à-dire que moi, en fait, quand on me dit pommade, même si c'est pas un gel, ben, il y a une certaine souplesse dans la matière, puis je peux l'appliquer au doigt, enfin bref. Absolument pas. Là non, je ne comprends pas. Donc ça, c'est pareil, il y a plusieurs couleurs. Je dois avoir un rose, ouais, j'ai un rose et j'ai un bleu, et là j'ai utilisé beaucoup plus le bleu, mais c'est tout secos, et puis il n'y a aucun pigment. Bref, donc si jamais vous avez une idée pour les réutiliser, je prends tout, voilà, mais sinon non, c'est pas terrible du tout. Alors, produit sourcil, on va y arriver, hein. Je vais peut-être réussir à tout vous faire en une vidéo.
le Faux Brows. Donc c'est un produit qui est bien pensé. J'aime bien les produits sourcils, moi, de toute façon, en général, puisque mes sourcils, moi, c'est toujours une galère pas possible. D'ailleurs, dans quelques mois, je vais me faire tatouer les sourcils. Si ça vous intéresse, je vous ferai un petit vlog à ce sujet. Mais, donc, là, il y a un truc qui est génial. C'est-à-dire qu'ils ont mis une petite brosse au bout avec le côté un petit peu, vous savez, les brosses ovales, comme les artist brushes. Donc, vous pouvez lisser. Enfin, j'adore le côté brosse. Je trouve que c'est super bien. Le produit en lui-même pourrait clairement m'intéresser. Et voilà, c'est un produit qui se twist comme ça, qui est donc un petit peu en mode bâton. Mais alors, en fait, c'est pas du tout agréable à utiliser. C'est-à-dire que là, j'ai dû appuyer comme une brute pour appliquer le produit. C'est super sec, c'est vraiment super sec. Et moi, quand je vends un produit sourcil, ben, j'ai envie de quelque chose qui glisse, qui soit facile à appliquer et... où l'idée d'avoir mis ce petit artiste brush là est génial, que je puisse estomper facilement. Mais en fait non, donc là non, clairement vous avez un problème avec les produits qui sèchent Makeup Revolution, c'est pas possible quoi. Donc ça c'est pareil, ciao bye. Même chose pour ce produit là que j'ai adoré pendant longtemps, vraiment, le XX Revolution, la pommade sourcil, le Ash Brown, devenu sec 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 sec. Vous avez un problème avec vos formules, c'est pas possible quoi. Faites quelque chose parce que vraiment, par exemple, alors c'est sûr qu'il est nouveau, c'est sûr qu'il est relativement récent. Bon, après, Anastasia, elle est décédée hein, clairement. Ma pommade Anastasia, mais alors il y en a un qui tient vraiment la route et ça fait quand même 2 mois que je l'ai, je crois. C'est celui de chez Ilamasqua. Ça tient la route vraiment. Et elle est géniale. D'ailleurs, si ça vous intéresse, soit dit en passant, vous avez des codes promo à chaque fois que je vous mets en barre d'infos. Et j'ai un code permanent chez Ilamasqua, si ça vous intéresse. Je gagne rien du tout dessus. Mais voilà, c'est vraiment pour vous. Et bref, et donc ça, c'est bien. Et ça, ça tient la route. On va passer à les sourcils. Alors, le Brow Gel Makeup Obsession. Alors, je suis une grande fan de sourcils, vous le savez. Et je trouve que les petits Brow Gel comme ça, c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien les gels qui fixent, vous savez, le truc, vous êtes complètement lifté, que ça ne bouge pas, parce que moi j'ai des grands sourcils assez longs. Donc forcément, en fait, ici, là, vers le chapeau, là, ça fait toujours n'importe quoi et ça m'énerve. Donc je cherche toujours THE gel pour sourcils qui va me les fixer en mode comme un peu bénéfique, quoi. Et donc j'avais voulu tester celui-là, donc clairement là on n'est pas du tout sur un dupe de je sais pas quoi, c'est un Brow Gel, mais qui ne fixe rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gel sourcil, clairement, voilà, transparent. Alors en plus, la brosse est absolument microscopique, donc j'aime pas du tout. Moi, j'aime bien quand c'est assez grand et que du coup, bah, vous pouvez le faire en 2 secondes. Voilà, c'est plus pratique. Même si je le comprends, c'est parce que c'est précis, etc. Bref, mais ça, c'est juste no way. En fait, ça ne sert à rien. Hormis si vous voulez un effet glow de vos sourcils, donner de la lumière, ou on a l'impression qu'il soit gras, enfin bref, non, ça ne fixe rien, ça fait juste un effet brillant, voilà, c'est tout. Ils auraient pu appeler ça glow, je sais pas quoi, voilà, donc non, ça ne fait pas du tout son job, donc c'est un peu dommage, et si vous avez des suggestions de produits sourcils très liftants, et avec une brosse un petit peu plus grande que ça, que c'est vraiment tout petit, je veux bien que vous me la notiez en commentaire. Alors, un produit que j'ai adoré et que j'ai adoré acheter, vraiment, mais c'est pas possible en fait. Alors, je ne sais même pas si le produit existe toujours. Il s'agit de la Jelly Highlighter, la gelée illuminatrice en teinte monumentale. Alors, franchement, quand j'ai acheté ce produit, j'avais des étoiles plein les yeux, mais vraiment. Je me disais, oh là là, c'est tellement bien, on va pouvoir faire un espèce de rendu glowy, lumière et tout. J'étais trop contente, mais vraiment. Alors, ensuite, j'ai ouvert le truc. Voilà. Donc la texture est quand même très bizarre, je remets mon doigt dedans et je ne comprends toujours pas. Alors c'est quand même mieux que celle de chez Beauty Bay, donc elle est là. Celle de chez Beauty Bay, j'en avais offert une dans un swap et finalement, eh bien, en fait on avait eu le même avis avec la personne et clairement, eh bien, c'était trop sec, enfin bref, c'était inutilisable. Mais là, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est très très particulier à utiliser quand même. En fait, c'est plus le côté
après réflexion du produit, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours? Et surtout la texture, parce que bon, c'est quand même pas non plus hyper glamour et hyper saillant, la texture est quand même assez particulière. Donc je pense que c'est vraiment un produit qu'il faut apprivoiser. Alors ils mettent une petite protection et tout, donc je la remets à chaque fois. C'est un produit qu'il faut vraiment apprivoiser et qui est très 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 particulier. C'est-à-dire qu'en plus, si vous le mettez mal ou si vous l'appliquez avec votre produit teint et que c'est mal mis et que vous tapotez trop fort, vous allez complètement ficher en l'air tout votre maquillage du teint en dessous. Bref, j'ai eu énormément de décontenus avec ce produit. Pourtant, dû vous dire que j'adore le produit. Quand je l'ai acheté, j'étais là, mais wow, c'est un des plus beaux produits highlighter que j'ai. Enfin bref, je l'ai aimé de tout mon cœur. Mais là, honnêtement, je pense que non, vraiment, c'est un produit qui a sa place ici. C'est-à-dire que c'est compliqué à utiliser. La texture n'est pas forcément jolie, c'est mieux que Beauty Bay clairement, mais enfin je veux dire non, c'est un produit qui est hyper compliqué. D'ailleurs je me demande s'ils l'ont pas retiré de la vente, donc je vais pas m'éterniser 1000 ans. Mais en tout cas c'est vraiment pas un produit que je vous recommande les yeux fermés. Honnêtement c'est un produit qui est hyper compliqué et avec beaucoup de problématiques derrière, donc c'est pas forcément à recommander. Nous allons rester dans les highlighters et j'en ai deux à vous présenter. Alors vous savez que j'adore les highlighters de Make Up Revolution. C'est une marque où il y a énormément de choses magnifiques, il y a des très 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 belles pépites. Et honnêtement, c'est une marque qui fait très bien les highlighters. Franchement, il faut le dire, leurs highlighters poudres sont en général quasiment tous réussis. Alors il y en a qui sont plus chunky que d'autres, plus épais avec des rendus et tout. Mais en général, ils sont quand même très très balèzes. Et il faut dire que quand j'ai acheté ces deux highlighters là, j'y suis allée un peu en mode, bon bah de toute façon, voilà, je sais que ce sera deux très beaux highlighters. Et je ne me fais aucun problème, voilà, ils seront très bien. Donc il s'agit, donc il y en a deux, vous avez donc le Make Up Obsession, le Films, le 3D Universal Highlighter, voilà, qui se présente comme ceci. En teinte 24 carats. Et on a le Glass Crystal Illuminator qui se présente comme ceci et dont la couleur est beaucoup plus froide, je sais pas trop comment dire autrement. Voilà, et donc ces deux-là ont la même problématique. C'est-à-dire que les rendus sont très jolis, c'est-à-dire que en fait là, il y a encore, non mais c'est un truc de fou, bref. Celui-là il m'énerve en fait, l'autre ça va à peu près, mais alors celui-là vraiment il me saoule. C'est dans la collection Glass Skin et donc voici ce qu'il donne, je sais même pas si vous le verrez. Et alors pour avoir la matière, mais il va falloir que vous y passiez l'après-midi, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller et bah, y a rien quoi. Alors oui je veux bien que ce soit côté Glass Skin et je le conçois et je le comprends, mais quand vous mettez autant de temps à aller attraper en fait un produit au niveau des doigts par exemple quand vous l'appliquez, parce que vous n'allez pas l'appliquer aux doigts ou en tout cas très peu, soit vous l'appliquez au Beauty Blender, mais en général vous l'appliquez plutôt au pinceau. Si déjà j'ai du mal à attraper au doigt, alors que le doigt, on a toujours cette petite pellicule donc qui forme le film hydrolipidique qui fait que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois que vous mettez un produit au doigt, que ce soit sur les yeux, que ce soit sur le visage, le teint, etc., ça apparaît beaucoup plus intense en fard à paupières ou en blush ou ce que vous voulez, parce qu'on a cette petite pellicule en fait aqueuse et grasse, hein, ce film hydrolipidique en fait, parce qu'on a cette perte en eau qui permet qu'on agrippe beaucoup mieux la matière, donc on la répartit de façon plus intense. C'est normal et c'est mécanique, c'est logique. Une fois que ça a été bien, on va dire qu'on a bien mélangé un peu ce côté huileux qu'on a sur les doigts et... Enfin, je veux dire, quand je dis huileux, hein, je mange pas des frites et je fais pas mon highlighter après. On a tous ce petit côté-là, même si ça se voit quasiment pas. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est glacé. Le produit est complètement glacé. Donc, pour y aller avec votre pinceau, mais allez-y, quoi. Vous allez passer une journée. Donc, ce produit-là, c'est soit vous l'appliquez, vous prenez pas mal au doigt et vous l'appliquez comme ça. Et là, ok, ça va. Mais alors, la galère, quoi. Donc, vraiment, donc non. Ça, c'est vraiment pas un produit que j'aime utiliser. D'ailleurs, je ne m'en sers plus du tout. Ce produit-là a un petit peu le même rendu et la même problématique. Alors, du coup, c'est une texture un peu plus moelleuse, on va dire. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait un trou dedans. Et par contre, c'est plus intense. Donc ça, j'aime mieux. Comme vous savez, j'adore quand c'est un peu intense. Et quand vous l'appliquez, ben, on voit quand même un peu. Mais pff, c'est quand même assez light. Hein. Bref. Et donc, tout ça pour dire que eh ben, c'est pareil. Une fois que vous avez glacé... Bah, l'highlight, eh ben, allez-y, hein. Vous allez galérer à la récupérer au pinceau. Donc maintenant, quand je veux l'appliquer, bah, celui-là, je prends au Beauty Blender. Et là, j'ai mon glow et c'est bien. Mais alors par contre,
Enfin, je trouve que c'est pas du tout, on va dire, facile d'utilisation au quotidien, quoi. Si à chaque fois que vous preniez votre beauty blender, que vous frottiez, puis alors faut faire attention, parce que si vous frottez à fond, vous en prenez 10 fois trop, et qu'après il y a d'énormes poudres, vous allez vous retrouver avec des gros morceaux, enfin bref. C'est vraiment pas des produits, on va dire, simples d'utilisation, donc je vous les recommande pas du tout. Par contre, ils ont des très beaux avec leur poudre. Et là il y a des pépites, mais ça c'est pas possible, la texture un peu glacée comme ça, c'est no way. J'ai quand même voulu tester ça parce que c'est, vous savez, des inspirés, des petites Huda Beauty d'ailleurs, une autre, mais elle est très bien, donc voilà, donc je ne dis rien sur cette petite palette. Vous savez, j'aime pas les petites palettes, mais je commence à m'y faire un petit peu. Je suis la première à dire qu'avec les imbéciles qui changent pas d'avis, vous le savez maintenant. Et en fait celle-ci, eh ben... là clairement je change pas d'avis, c'est à dire que les teintes sont très jolies, hein. Je l'ai acheté pour ça parce que moi j'aime bien les teintes un peu berry et tout, c'est tout à fait mon type, et vraiment je suis super déçue du pigment. Alors il y a un que je trouve bien, un seul, donc bon, un petit peu embêtant, c'est le Fallen, qui est donc le fard comme ça le plus clair. Je trouve que le glow est absolument magnifique, c'est un très très beau fard, mais honnêtement pour un fard aussi petit, parce que je sais pas combien ils font de grammes, mais ça c'est le deuxième problème, d'ailleurs je sais même pas si c'est écrit quelque part, 0,38 grammes chacun je pense, c'est d'une microscopique petitesse. Et j'ai jamais vu ça. Alors palette pocket, j'ai pas mieux, hein, voilà. C'est le poly pocket du maquillage ce truc. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment 10 fois trop petit. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'aime pas les petites palettes. Mais bon, il y en a quand même qui sont bien. Mais en fait là, quand votre petit pinceau là, il fait la moitié du fard, là c'est pas possible. Le pinceau il est minuscule. Enfin bref. Non, ça non. Et puis alors c'est pas assez pigmenté, parce que ce serait la plus belle palette du monde, je vous dirais, elle est trop canon, mais elle est trop petite. Mais là, non seulement elle est trop petite, elle est pas pigmentée. Enfin, non, achetez pas ça, honnêtement, c'est. Enfin, sauf si vous aimez vraiment les mini palettes, quoi. Mais là, c'est pas possible. Donc voilà, ça y est, c'est terminé, je vous ai présenté les pires produits, je mets toujours des guillemets parce que faut prendre avec des pincettes, mais les pires produits Makeup Revolution, Revolution Beauty. Je suis vraiment fan de la marque, mais il y a clairement des choses qui valent pas le coup, et c'est important de le savoir aussi parce que on peut être carrément déçu. Enfin moi je sais que j'ai été plus d'une fois déçue, et en témoigne cette vidéo bien sûr. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ce genre de vidéo comme ça, j'avais pensé à la faire chez Sephora. J'adore Makeup Revolution, donc ma vidéo n'a rien contre la marque, c'est juste pour vous éviter d'acheter des produits que vous pourriez potentiellement regretter plus tard, parce que j'en ai testé énormément et que en plus je connais bien la marque, donc voilà. Et comme j'ai dit, ça ne reste que mon avis, j'ai pas du tout la science infuse, loin de là. J'aimerais bien, ce serait plutôt cool, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai mis tout mon cœur pour la faire, ça m'a fait bizarre, parce que bon, voilà, dire que des choses sont pas top, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude. Mais en vrai, je pense qu'il y a besoin. Dites-moi, mais je pense qu'on a besoin de vérité. Non pas que dire les choses, que tout va bien, que tout est beau, que tout est rose, ce soit mentir, parce que voilà, moi je suis toujours honnête. Mais le fait voilà, de dire que de temps en temps qu'il y a des choses quand même pas top, ça nous ramène voilà, les pieds sur terre, en disant bon, tout n'est pas tout rose. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite réflexion autour de cette vidéo. Je vous invite à me suivre si la vidéo vous a plu. Mettez bien la cloche. Il y en a plusieurs. Vous choisissez la cloche la plus grise pour avoir toutes les notifications et ne loupez pas le rangement make-up qui devrait, my god, arriver bientôt, je l'espère. J'espère vraiment, croisez les doigts pour moi pour que je puisse avoir le courage de ranger tout ce bazar, parce que je peux vous dire qu'il y en a et qu'il va m'en falloir. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!